The words ending in I-B-L-E, they stay the same in French. Like, for instance, possible becomes possible. The words ending in A-B-L-E, they stay the same also in French. Like, table, table. Comfortable, confortable. Possible, table, confortable. There's an expression in English. It's used, well, people know this expression. It's c'est la vie or c'est la vie. It is life. To remember it is, we can think of this expression, c'est la vie. It is life. C'est, it is. It is possible, c'est possible. It is comfortable, c'est confortable. Good, bon. It is good, c'est bon. Very, très. It is very good, c'est très bon. So we have, c'est possible, c'est confortable, c'est bon, c'est très bon, c'est très confortable. In the same concept, let's give more examples like probable, probable. Acceptable, acceptable. It is acceptable. C'est acceptable. C'est acceptable. For me, pour moi. It is for me, so we know it is, c'est. For me, pour moi. C'est pour moi. For you, two options. Pour vous, for moi. Pour toi, casual. It is for you, c'est pour vous, c'est pour toi. It is very comfortable for me. C'est très confortable pour moi. Okay. So far we had an affirmative sentence, but let's try to play with a negative form. It is not. It isn't. Ce n'est pas. Three sounds. It is not. Ce n'est pas. It is not for me. Thank you. Ce n'est pas pour moi. Merci. Thanks. Merci. C'est, ce n'est pas pour moi. Not for me, thanks. Pas pour moi, merci. Pas pour moi, merci. Somebody is offering you a glass of wine. You can be like, non, pas pour moi, merci. It's not very comfortable for me. Ce n'est pas très confortable pour moi. A very common expression, so-so. It's not a literal translation. If I say so-so in French, is comme ci, comme ça. The literal translation will be like this, like that. And we are interested in the second part, comme ça, like that. It's not like that. Ce n'est pas comme ça. Okay? It's not like that. Ce n'est pas comme ça. It's not possible for me that way. So, it is not, ce n'est pas possible pour moi comme ça. Ce n'est pas possible pour moi comme ça. It's not possible for me like that. Ce n'est pas possible pour moi comme ça. I'm sorry. Je suis désolé. An extra E for the feminine form. No extra E for the masculine form. They have the same pronunciation. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, mais. I'm sorry, but it's not very comfortable for me that way. Je suis désolé, mais. Ce n'est pas très confortable pour moi comme ça. I'm sorry, but it's not acceptable for me that way. Je suis désolé, mais ce n'est pas acceptable pour moi comme ça. Okay. Remarkable in French, and it's very close. We don't use a K here, so remarquable. Remarquable, c'est très remarquable. Considerable, considérable. Second formula, ENT, ANT words. They stay the same in French. Different, différent. So we don't pronounce the final consonant. Différent. Important, important. It's not very different that way. Ce n'est pas très différent comme ça. But it is very important for me. Mais c'est très important pour moi. Très important, très important.
So other examples, evident, évident, recent, récent, constant, constant. Third formula, words ending in A or Y, airy, they're going to become A-I-R-E, R, like the French R, R. Necessary, nécessaire. It's not necessary for me, ce n'est pas nécessaire pour moi. Contrary, contraire. On the contrary, au contraire. Military, militaire. Vocabulary, vocabulaire. Almost the end. I would like, je voudrais. I would like to speak, je voudrais parler. I would like to speak French, je voudrais parler français. I would like to speak French, je voudrais parler français. Avec vous, avec toi, with you. Avec moi, with me. I would like to speak French with you, je voudrais parler français avec vous, toi. Now let's make a question. Do you want, voulez-vous, en veux-tu? Voulez-vous, veux-tu? Do you want to speak French with me? Voulez-vous parler français avec moi? Veux-tu parler avec, français avec moi? So we can simplify this question and say, vous voulez parler français avec moi? Tu veux parler français avec moi? We can also say, well, the French, they love using est-ce que. So we can say, est-ce que is like E-S-T, second word C-E, third word Q-U-E. Est-ce que? There's no real value on translating this in English. It's like, is it that you want to come with me? So, or to speak with me? So what can we say? We can say, do you want to speak French with me? I can say, voulez-vous parler? Veux-tu parler? Vous voulez parler? Tu veux parler? And also I can say, est-ce que vous voulez parler? So after, right after, est-ce que, we're going to use the subject and after the verb. So, est-ce que vous voulez parler français avec moi? Est-ce que tu veux parler français avec moi? So, basically, we have three different, styles of questions. The first one is, voulez-vous? Veux-tu? Verb and subject after. Second option will be, est-ce que tu veux? Est-ce que vous voulez parler français avec moi? And the third option will be, tu veux parler français avec moi? Ou vous voulez parler français avec moi? Okay. It's more, what's it, more friendly, more casual. Come is venir. Do you want to come with me? Est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que vous voulez venir avec moi? Veux-tu, voulez-vous venir avec moi? Okay. And the last one would be, tu veux venir avec moi? Ou vous voulez venir avec moi? Okay. There's a small exercise, nothing really threatening. The most important is to check the video and make sure everything is remembered and understood. Anyway, have a nice night. À très très bientôt. Et passe une très bonne soirée ou une très bonne journée. À bientôt.